Et aujourd'hui, ça va. Ça va. Ça va. Parce que je suis de bonne humeur. Parce que qu'est-ce que j'ai comme souci en ce moment? Bon, ben, ça va. J'ai payé mon loyer, les petites dettes. Je sais pas comment je vais faire pour finir le mois. Enfin, je suis de bonne humeur. Il y a du soleil dans les ruelles, il y a de la joie partout. Il y a de la misère partout. Je voyais en venant, là, dans la rue, un pauvre blême. Sa femme l'avait quitté. Quand il m'a dit ça, j'ai éclaté de rire. Je lui ai dit, je vous demande pardon, mais la mienne aussi. Sans un mot, sans rien. Elle est partie comme ça. Je voudrais pas que vous pensiez que c'est dans mes habitudes de pleurnicher. Justement, aujourd'hui, j'étais de bonne humeur. Je suis plutôt farceur. Un jour, devant moi, il y avait une dame qui avait un chapeau avec une grande plume. Alors, avec une paire de ciseaux, j'ai coupé la plume. Si vous aviez vu la tête de la dame. Humiliée. Humiliée. Je peux pas vous dire ce que ça m'a fait. Et ça, c'est rien. Mais un jour, avec un copain, un gars, il est mort. Il a souffert. C'était un bout-en-train terrible. Il voulait toujours aller au bal. L'accordéon! J'ai horreur de l'accordéon. Ça me fout le cafard. Mais lui, il adorait l'accordéon. Il disait toujours, l'accordéon, c'est le piano du pauvre. Il chantait, le piano du pauvre se pend autour du cou, c'est pendu. Il se moquait toujours de moi, parce que j'avais un oncle qui jouait de la cornemuse. Il est mort aussi. En soufflant, il devenait tout rouge. Et comme il avait pas de veines, elles ont éclaté. Je ris parce que j'ai entendu une dame qui a dit qu'il a l'air idiot. C'est vrai d'ailleurs.